très grande histoire d'amour. Philippe Di Folco, bonjour. Je suis sur le grill, là. Grill de l'amour. Salut. Mais oui, je me présente. Moi, c'est Annemar, hein, dans le jargon des joueurs d'échecs. Hein, on pourrait dire, hein, que je suis une sorte d'échec roi, hein, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais, hein, que je me sens un peu comme une partie de Pictionary, hein, qu'on aurait proposée à Gilbert Montagné, hein, au cours de laquelle, du coup, évidemment, personne ne prend jamais son pied. Ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire, hein, sèche comme un vieux Pringles et ravie, hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie, hein, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit côté prof de maths syndiqué, hein, que vous donne aussi bien votre calvitie, hein, que vos petites lunettes et votre barbe, ça va m'en négliger. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix, hein, entre la version barbue justement de cet auteur français, hein, passionné de fourmis et autres anges gardiens, hein, qui est le sympathique, ouais, et néanmoins mièvre Bernard Werber, et la version aussi intello que non imposable, hein, de cet acteur français aussi populaire, hein, que financièrement très sexy, hein, qui est le charmant et omniprésent qu'admirable, un peu tiré par les cheveux, mais il fallait un deuxième. Et bien malgré ce physique de radio, dirons-nous, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance, hein, de pouvoir rencontrer un écrivain, scénariste, essayiste et poète de talent, hein, qui en plus, hein, d'avoir occupé le poste prestigieux, hein, de responsable éditorial, hein, pendant près de 15 ans dans des sociétés, hein, j'imagine, fiscalement attrayantes pour un Français, hein, puisque basé à Londres et à Boston, eh bien n'a pas hésité à diversifier ses activités en publiant dès 1990 un premier essai de poésie intitulé « Un nook of bon sens », un recueil ambitieux, hein, écrit dans la langue de Shakespeare, hein, dont naturellement ni Amazon, hein, ni le reste de l'humanité n'a jamais entendu parler. Un coup d'épée dans l'eau, comme on dit, hein, qui ne vous a cela dit pas empêché dès 97, hein, grâce au regretté Jean-François Bizot, hein, du groupe Nova Press, hein, de vous lancer dans l'écriture de reportages, hein, pour le compte notamment de ces mensuels, pardon, aussi prestigieux, hein, qui est la scène trouvable en kiosque, hein, que sont les Air France et autres TGV magazines. Bref, un ascendant cachetonneur, hein, qui vous a permis petit à petit de faire votre trou, hein, dans le monde littéraire, hein, puisqu'après avoir publié une trentaine d'ouvrages, hein, dont les passionnants dictionnaires de la pornographie et de la mort, eh bien, vous revenez aujourd'hui avec un roman intitulé L'Avomatique, hein, une sorte de thriller érotique de proximité, hein, qui, aucune idée, de certaine manière, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé à Marignane, un véritable berceau de la flamette tricolore, hein, par un père, hein, qui en sa qualité de CRS, il a toujours considéré, hein, qu'il est fort le mêlement interdit, hein, et sont en amour comme au lavomatique, hein, de mélanger les couleurs, comme on dit, bien. Je peux dire que mon père a malheureusement souvent donné dans le thriller, hein, voire même carrément dans le gore, hein, les nombreuses fois où, à l'aide de son essoreuse, hein, comme il aime à surnommer sa bétonnière, hein, lorsqu'il l'a remplie d'eau de Javel, eh bien croyez-moi, hein, que mon père a pris un malin plaisir à lessiver pendant des heures une bonne partie de mes petits amis, hein, sans en chocapic, hein, comme on dit au Front National. Et en parlant de vouloir finir au trou, justement, ayant découvert, hein, que votre premier émoi sexuel remonte à 1977, hein, date à laquelle votre père, hein, vous a proposé de regarder en sa compagnie le film Diabolomate, eh bien, il a moi-même été initié très jeune, hein, au mystère des boissons indigestes, hein, par mon pépé René. Eh bien, tout se fait, hein, sachez que si le nostalgique que t'en vous, hein, n'a pas peur, hein, le temps d'une soirée de tremper ses lèvres, comme on dit, là, dans un cocktail, là, aussi enivrant que bientôt périmé. Je vous dirai que mon cri de l'amour et moi-même, hein, serions absolument ravis, hein, à l'idée de pouvoir vous enivrer. Hein, si, oui, c'est que sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance à La Rochelle, hein, où les étudiants, hein, peuvent désormais décrocher un diplôme d'opérateur de brasserie. Hein, donc si, comme moi, le baril quasi fermenté de l'amour qui est en vous n'a qu'un souci, finalement, celui de pouvoir en face se faire brasser, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Quelle déclaration magnifique. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.